Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment importer vos vidéos que vous avez réalisées avec un caméscope numérique. Vous êtes prêts? À tout de suite. Donc nous voici dans notre logiciel Pinacle. Donc pour importer nos petits films, donc on va venir dans le menu éditer. Et ici, on a vidéo. Donc maintenant, par défaut, Pinacle va se retrouver dans le dossier vidéo de votre ordinateur, qui est dans le dossier mes documents, mes vidéos. Donc moi, j'ai créé dans ce dossier un dossier Espagne où j'ai des vidéos. Donc il va suffire de faire un double clic sur le dossier Espagne. Alors moi, comme je suis un peu maniaque, j'ai fait des sous-dossiers par jour de film. Donc par exemple, je vais prendre ici le dossier 10-23-2011. Ah, celle-ci, il n'y a pas beaucoup. On va prendre un autre. Voilà. Là, j'ai plusieurs films. Donc ici, je vais prendre mon film et le prendre. Et le faire glisser. Alors si je veux mettre des vidéos de plusieurs dossiers, ben, c'est très simple, il suffira de revenir d'un niveau et d'aller dans un autre dossier. Hop, je prends un autre dossier. Alors si je place mal ma vidéo, vous voyez, je l'ai placée devant, si je veux la placer derrière, hop. Hop. Voilà. Alors je peux réduire ma bande, voilà, pour mieux voir ce que je fais. Si je vais aller chercher ailleurs de nouveau, vous voyez, je viens sur le dossier que je veux. Dernier dossier. Hop, on se capte. Et je prends ma vidéo. Donc, vous pouvez aller chercher vos vidéos n'importe où sur votre disque dur. Même, vous pourriez aller travailler sur un disque dur externe. Je vous conseille pas trop parce que ça demande plus de ressources. Et donc, vous avez. Ça va un peu ramer sur votre ordinateur. Donc vaut mieux rassembler ces vidéos sur votre ordinateur et après quitte à les supprimer. Mais pour le montage, vaut mieux les mettre temporairement sur votre disque dur de votre ordinateur. Vos vidéos peuvent être dans un autre endroit que ce gros dossier vidéo. On peut aller le mettre. Si vous aimez avoir vos vidéos dans votre dossier personnel, si vous vous appelez Gérard, et ben vous pouvez aller chercher vos vidéos dans le dossier Gérard vidéo par exemple. Je vous remercie de votre attention et espère vous retrouver très prochainement. À bientôt.